Journée comme les autres, parce que ce matin je me lève, la tête dans le cul, et on sonne à ma porte un coursier. Je dis oui, montez, et le gars me donne un petit colis, mais un petit colis assez grand, et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on m'a envoyé la nouvelle Nintendo. Vous savez, la petite Nintendo qu'on connecte à la télé avec déjà 30 jeux dedans. Et d'ailleurs, je vois, bon, déjà il y a Zelda 1, donc je vais me refaire Zelda 1. Il y a les premiers Mario. Il y a le premier Kirby où j'ai jamais joué. Il y a Donkey Kong. Il y a Mega Man 2. Metroid, je l'ai jamais fait sur NES. Je pense que je vais le faire. Et Punch-Out, que j'ai jamais vu. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Je ne l'ai pas ouverte encore. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Vraiment. C'est il y a écrit en rouge, en gros, là. Attention, l'adaptateur secteur est non fourni. Mais c'est quand même important, l'adaptateur secteur, non? Ah, elle est toute petite! C'est trop mignon! On dirait une NES pour mon chat. En tout cas, c'est très léger, hein. C'est voire un peu vide, quoi. Le pad. Alors, par contre, on peut pas utiliser les pads de sa vieille NES. Il faut acheter un nouveau pad. Bon, autant il n'y a pas énormément de jeux qui se jouent à deux, à part si mes souvenirs sont bons, Climber, Snake versus Snake et Chip and Dale, je crois. Et Double Dragon, bien sûr. Oh, jouer à Double Dragon. Il y a Double Dragon? Est-ce qu'il y a Double Dragon? Est-ce qu'il y a Double Dragon? Il n'y a pas les jeux. Bon, il va falloir que je branche la console pour voir le nombre de jeux qu'il y a. Et là, qu'est-ce que c'est ça? En dessous. Elle est en HDMI. Et ce n'est pas un adaptateur secteur. En fait, elle se branche comme les téléphones portables, en fait. Vous voyez, c'est une prise comme ceci. Pour téléphone portable. Voilà. Donc à mon avis, elle se charge. Ouais, c'est ça. En DCI, HDMI, HDMI et de quoi jouer. Bon, ah là là, j'ai psy, je vais devoir y aller. Bon, bah je vous en dis plus demain. Et puis moi, je vous dis des bisous et rendez-vous samedi à Montpellier, à Planète Interdite, à partir de 14h30 à peu près. Voilà, en dédicace. À bientôt, ciao, à demain.